Et salut les amis, c'est Clone. Alors me voici de nouveau sur ma partie Minecraft en 1.14. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait ma petite maison et puis à côté un petite culture. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, là, ça c'est des nouvelles lanternes dans la 1.14. Ils sont extrêmement stylés, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, je commence à poser une, poser comme ça autour. Bah, on va le faire ensemble. Et puis là, bah, j'en ai mis une à l'intérieur. C'est voilà quoi, ça éclaire bien, c'est très sympa. Bah, justement, la nuit qui tombe. Alors je vous montre ma petite maison. Donc là, bah, c'est l'intérieur avec un. Le sol en. C'est comment déjà ça s'appelle ces blocs? J'en ai plus. J'en ai plus. Ah pardon, je peux même plus. Je n'en ai même plus. Je sais même plus le nom. Ah bah si, c'est du granit, voilà, du granit poli. Du granit poli. Et ici, là, c'est le haut fourneau. Ça aussi, c'est nouveau. Et quand on met nos blocs, voilà, nos blocs de fer à fondre, ça va beaucoup plus. Beaucoup plus vite, mais vraiment beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment très sympathique. Et pour faire les lanternes, bah il suffit de prendre des pépites comme ça. Bah attendez, je peux peut-être vous montrer le craft sur bah sur la table de craft. Donc c'est 6 pépites et puis bah 6 pépites. 8 pépites, pardon. 8 pépites et puis une torche au centre. Ah, je les ai pas vues. Tout, 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 là. Où êtes-vous, les lanternes? Termes de cartographie, tiens, j'avais pas vu que j'avais débloqué ça. Bon, bref, c'est. C'est 8 pépites et puis une torche, hein, une torche au centre, hein, comme ça. Donc là, vous mettez tous vos pépites autour, là, avec une forcément ici, et vous aurez votre lanterne. C'est extrêmement sympa. Ce que j'ai découvert, oui, j'ai découvert une vraie mine, en commençant à faire ma carrière. Bon, j'ai creusé assez profond hein, d'abord pour trouver des minerais, puis là bah, forcément j'ai trouvé du diamant. J'ai pu faire ma première poche. Je garde mes diamants, je garde mes quelques diamants là pour faire la table d'enchantement. Alors je sais pas si je pourrais la faire dans cette vidéo. Il faut que j'aille chercher de l'obsidienne. J'ai déjà un livre donc c'est bon. Donc ce que j'ai trouvé dans un. Donc dans la mine, un petit minecart avec un coffre, et dedans il y avait ça. Il y avait ces quelques éléments, ces quelques rails, de la poudre de redstone, de l'or aussi. Bon, de l'or, je crois, je sais même plus si j'en ai retrouvé entre-temps en minant. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bah non, de toute façon, mon coffre à minerai, c'est ici. Donc voilà, bon, ça c'est mes soupes suspectes. Voilà. Bah, je vous montre à l'étage comme ça je vais dormir pour faire passer la nuit. Donc voilà, c'est tout simple. Là, j'ai fait mon lit. J'ai posé mon lit. Fait mon lit. Voilà, une petite barrière ici comme ça. Voilà, bon. Bon, là, faut que je mette encore de la vitre peut-être. Hop. Allez, au dodo. Alors, et donc voilà, j'ai donné un petit style ici. Bon, je l'ai pas encore fait. Voilà ce qu'on entend. J'ai mis des dalles, petites dalles au sol. Donc, j'ai pas encore posé de l'autre côté la même chose. Bon, puis là, voilà ma petite culture, des tournesols, des petites plantes et puis du blé. Alors, voilà, je vais poser. Donc, on va mettre ça là, comme ça.
Voilà. Bon, il m'en reste une. Bon, je sais pas, je la j'utiliserai bien quelque part. Hop. Alors. Je vous montrer aussi ce que j'ai commencé à faire au niveau de ma carrière. Donc là, j'ai commencé à creuser un peu, hein. Mais bon, j'ai encore beaucoup à faire, hein, forcément. Faire vraiment une carrière comme ça. Bon, puis là, bah, c'est ma mine, quoi. Donc ça va assez loin. Et c'est là donc que j'ai trouvé donc une mine, hein, une vraie mine avec mine carte, rail, des rails, etc. Voilà. J'aime bien, bon c'est tout mignonné quoi, c'est sympa quoi, je fais une petite maison comme ça, tranquille. Alors le métal, ok. Ah, c'est tout voilà. Ferme la porte. Est-ce que j'aimerais bien tester ça. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est bien de tester ça maintenant? J'ai vraiment un doute. Mais je suis tellement curieux de voir ce que c'est cette soupe suspecte. Que bon. Ah là-bas, il y a des poissons. On voit des poissons en surface. C'est excellent. Ouais. Allez. Je me dis, allez, on va. Je tente, hein. Est-ce que je peux l'utiliser? Ah non, on peut pas en faire. Ah, il faut peut-être le. D'accord. On peut pas le boire ou quoi que ce soit. Bon. Tant mieux, peut-être, hein, je ne sais pas. Non, c'était là. Je sais pas, on peut peut-être l'utiliser avec quelque chose. En tout cas, je peux pas la boire. Bon, bah, voilà, comme ça, je ne risque rien. Au moins, ça, je suis fixé. Ma curiosité ne sera pas encore assouvie. Alors, est-ce que si j'allais chercher de la lave? Ah là, ça descend, hein. Alors, j'aime bien faire mes entrées de mine assez larges comme ça. Au-dessus là. Ah, j'entends de la lave là. Ah oui, on avait là. Ok, bon maintenant faudrait que je me. En fin de compte, c'est pas ça que je voulais faire quoi. C'était. C'est de l'eau qu'il aurait fallu que je prenne. Pourquoi j'ai pris de la lave? Je ne sais pas pourquoi j'avais dans l'idée de prendre de la lave. Je ne sais plus. Oula! Il y a du monde dedans qui sait. Salut copain! Ah bah c'est ici que j'aurais dû mettre. Surtout que j'ai pas d'armure. Vous êtes combien là? Oh, il me largue quoi là? C'est quoi ça? Un bloc de fer? Un lingot de fer? Mais oui! Les zombies ont des lingots de fer, d'accord, ok. Ça spawnait comme ça ici. On va remettre un peu de lumière. Ça ira un peu mieux peut-être. Il y a encore du fer là-bas.
Ah oui, il y en avait plein que j'ai pas récolté là. Bon bah écoutez, je remonte, je vais chercher mon seau avec de l'eau. Puis pour miner du l'obsidienne, hein. Allez, donc c'est parti. Je vais mettre. Bon, c'est à récolter mon. À récolter mon obsidienne. Voilà. On va mettre un peu de lumière, hein. Parce qu'il ferait. Il fait franchement noir ici. J'ai plus de torche là. Non. Je n'ai plus de torche. Allez. Je récolte ça. Et je reviens vers vous. Alors, donc me revoici. Après avoir récolté. Oula. On a pu voir un Enderman, mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc, la table d'enchantement, on la trouve ici. Donc là, il me faut deux diamants, un livre et puis du. Le livre que je n'ai pas pris. Voilà. Donc, un livre, deux diamants. Et. De l'obsidienne et voici ma table d'enchantement. Voilà. Bon, je vais la poser d'abord ici, tout simplement. Mais bon, après, on lui fera une pièce dédiée, forcément. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est joli? Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Efficacité. Alors, c'est un domaine que je n'ai jamais trop fait sur Minecraft, les enchantements. Donc là, il fait efficacité, unité de lapis-lazuli, niveau d'enchant 1, niveau d'enchantement. Efficacité 1. Efficacité. Et là, pourquoi j'ai 4, c'est quoi? Niveau dans 3 niveaux d'enchantement, 2 niveaux d'enchantement, 1 niveau d'enchantement. On va faire ça, non? Voilà, maintenant j'ai une pioche qui a. Bon, qui a. Pioche de diamant efficacité 1. Bon, c'est. Voilà, pour un premier enchantement. Ça peut être sympa, on verra par la suite ce qu'on peut faire. De mieux. Qu'après, je sais pas si je peux faire le. Comment ça fait le. Comment ça s'appelle déjà? Ah, je pourrais faire la taille de pierre là. Il va falloir vraiment que je fasse une pièce un peu plus. Une. Quelque chose d'un peu plus grand, hein, parce que sinon j'arriverai jamais à mettre tout ça, quoi. Dans ma petite maison. Mais bon, ça restait simplement pour. Pour mon début, donc je voulais dire, ouais, c'était le. Comment c'est? L'enclume, ouais, c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça, c'est une enclume hein, pour réparer les items. Après, je crois que ça a un effet sur l'enchantement. Si on retire l'enchantement, je ne sais plus comment ça se passe. Ah oui, j'avais pas vu. Ah bah oui, il y a un petit moteur de recherche interne, quoi. Excellent. C'est bien ça. Et ben voilà. Là, ma petite cascade là qui va qui coule dans l'océan. C'est excellent.
Faudrait du gravier, tout ça, j'en ai quand même. Je sais plus si j'avais du gravier pour faire des flèches. Pierre. Du sable. Bah oui, j'en ai là. Ah, mais c'est du silex. Ouais, c'est du silex qu'il me faut. Donc faudrait que je. Que je j'enchante cette pelle-là. Pour que ce soit plus efficace. Comment je peux l'enchanter celle-ci? Qu'est-ce qu'elle va me donner? Ah, il y a une araignée qui traîne là, qui va me rendre visite. Alors, efficacité, solidité. Bon, moi je veux qu'elle soit efficace. Voilà. Ah oui, il y a clairement l'araignée qui s'amuse sur mes. Sur mes dalles. Ça va, ça t'intéresse mes petites dalles là? C'est bien, c'est comme ça on sait quand il y a un mob qui passe dessus. C'est efficace quoi. Sympa. Après, je me dis que bon, faudrait peut-être que je. Faudrait peut-être que je me fasse le portail du Nether pour. Mais ouais, j'ai pas miné assez de. J'ai pas miné assez de. Obsidienne. Puis le portail du Nether, faudrait que je le pose. Je vais pas le mettre à côté de ma maison. Pour l'instant. Je pourrais le poser ici, peut-être là. Ce serait sympa, non? Dans un premier temps. Là, commence à poser ici. Voilà, trois blocs ici. Là, je fais mon portail ici. Bon, je retire ça là, puis. Je vais aller rechercher du. L'obsidienne. Et puis je continue de fabriquer le portail et je vous montre ça. Alors, bah, me revoici. Donc, on va faire ce portail du Nether. Donc, je crois que j'ai mis un bloc de trop là. Me semble. Forcément, j'ai pas pris de terre, quoi. Super. J'aurais pu le laisser, mais bon. C'est 3, hein. Je me trompe pas. Portail économique. Bah, ou presque. Ça marche comme ça si on fait de cette forme-là? Oula, je suis un gros lag là. Alors, le briquet. Et voilà. Bon, allez, on va lui remettre ses 4 blocs, hein, c'est plus joli. Et alors. Et si on se le tentait, ce portail du Nether? Allez.
qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, mais où suis-je? Ok. Bon, bah me voilà à un endroit que je ne connais pas. Je devais atterrir sur le Nether pourtant. Alors là, je ne sais pas où je suis. Alors, si je sais où je suis atterri, la transition était trop bonne de le faire avec le portail du Nether. Je suis sur le serveur, sur mon serveur, serveur Poston Cube. Et donc, je vais continuer mon aventure sur ce serveur. Alors, je ne serai peut-être pas tout le temps tout seul. On verra bien. Le futur nous le dira. Et bah voilà. Mon aventure continue sur le serveur Poston Cube. Allez, salut et à bientôt pour la prochaine vidéo.